on s'en va en pêche. Là, on a pris une petite chaloupe pour se rendre sur un île pour aller chercher le plus gros bateau pour aller pêcher. Il est juste avant là. Le prime time. Le prime time. Aujourd'hui, on aimerait Dorado, Wahoo, Grouper, Sharks, probably Sharks. Oh, je sais quand t'as nous voir. Un petit déjeuner avec des langoustes. Tu vas mettre le gluten de ton côté. Ah ouais, pendant que je fais ma vidéo. On est en train de prendre notre petit déjeuner fourni par la compagnie de bateaux de pêche. Et après, on s'en va pêcher des gros poissons. Lobster au déjeuner, ma première fois. Ah ouais! J'aimerais ça vous montrer quelque chose. Ils ont une belle petite tortue. Ils l'ont ramassée et en prennent soin. Quand elle va être plus grosse, comme environ 10 pouces, là, ils vont la remettre à l'eau. Es Alejandro. What do you make, Captain? We're gonna make a grouper happen. It's time for grouper. Or shark, whatever. Or shark? Okay. This is a special rod. I don't think so either. It's a really good setup. Wow. Like you'll just, when it hits, it'll just go. Okay. Yeah. Oh, okay. It probably is on the bottom. No. Sometimes it just, when it's dropping, it slacks up. Okay. I don't know. I haven't fished here, but maybe we'll be over 1,000. Probably. Only that? Wow. You don't drop your keys, huh? No. Wow! 400 feet. Hour? Yeah. Hour? Down there, it's always the same. Okay, so let's say we hear, you see, douche, douche, hit that button. You push up on. Yeah, when you see it, we're just gonna do a test. Okay, just a test. Hit it for 6 seconds. Oh, six seconds. Two, yeah. One, two. And then we go like this. One, two, three. And then if we see it, then we'll... That's a real one. Okay. We'll hit a two. Okay. And then now we'll drop it back to the bottom. Boom, we're on the bottom. We're just sitting on the bottom waiting for that big bite. We have something? Yeah. Get it. Two. Okay. Go figure. Ouais, Benoît, tu travailles fort. Hey. It's really hard to fishing with this rod, eh? What a big job! 600 feet? On peut partir barbecue, là. Okay, start the barbecue and give me one beer, please. Look at that! Yeah. It's really hard! It's a big grouper! I catch... That's actually pretty good. 850 feet! Look at that! Oh my god! It's really hard! Oh! Oh, my shoulder! Jeez, that's what I mean. Like, if they're there, they're there. You drop it on them, they just hit it. Yeah! Ah ouais, c'est ça la pêche. C'est comme ça en Colombie. It's really hard to fishing in Colombia, eh? Look it up! Bon, qu'est-ce qui vient de se passer, Benoît? Il a descendu la ligne parce que c'est une canne pour pêcher en profondeur. OK. Dès que le plomb est arrivé en bas, ça a mordu tout de suite. Okay. Fait que là, il est reparti. Dans le fond, vu qu'il est vraiment, vraiment très profond,
quand il remonte, le poisson il est mort quand il arrive en haut parce que la pression, il... On l'a naillé? On le naille, puis il blow out. Puis là, quand il est arrivé dans le fond, c'était à combien de pieds? 850. 850, mais là, on pèse sur le piton, puis il s'en vient tout seul. Oh mon Dieu, je m'attendais à plus gros! Oh yeah! Look the heights! I know! Ah! Regarde-y les yeux, toi! Yeah. Les yeux sont de l'orbite parce que là, il était à 900. La pression. La pression. Hey, c'est ça! Ah, c'est comme. The red c'est... snapper! Attends, je zoome dessus! J'en reviens pas les yeux! Il est! Tu vois l'important de pincer son nez quand on remonte? Tu as mal au bras? I have a really pain on my shoulder. J'ai vraiment mal à l'épaule. Ouais. Parce que mon nouvel ami, il m'a donné une bière. Premier poisson, il faut ouvrir une bière. Ouais, fait que t'as mal à l'épaule parce que c'était ta bière ou... Ouais, parce que je tenais ma bière, ouais. J'ai même pas eu le temps de pincer sur le piton. Il est en train de descendre la ligne. Mais là, je comprends comment ça fonctionne, le système, par contre. Ouais. Ouais. Là, le poisson, il avait les yeux sortis de la tête, comme ça, parce que... C'est la pression, là. Il est à 900 pieds, là, qu'on le ramène en dedans de 5 minutes. That was cool. That was easy. It's really easy. On aurait un autre poisson. On est à 860 pieds de creux. Mais ils ont l'air à dire que ça a l'air d'un petit poisson. Fait que, oups. Fait qu'ils vont le laisser en ligne pour attirer un plus gros. Fait que, c'est cool. The weird thing is I don't even see that other fish on camera. Oh, that's it. Oh, wow, là, la ligne, oh, on yeah. La voit. Oh, yeah, this is bigger. Oh yeah, this is bigger, eh? The second we got over the old hole. Oh yeah, look at that. Oh man. Oh yeah. This is the big one. It's the honey hole. It's the honey hole. Oh, check that out, man. Oh, look at that. Oh my God. Oh boy. I can see it. Yeah. That's 600. Oh, man. I guess another 130 feet will know. Oh! Hey! Il y a du jus à la salle. Hey, j'aille pas ça, laissez ça tirer sur la. C'est la lazy fish. It's really easy. I like that one. I like that one. Oh my God. Oh yeah. Okay, mais là. Mais là, on est à 500. On est parti de 800-900 pieds dans le fond. Et à 500, il tire encore. Donc, il y aurait une possibilité que ce soit un requin. This isn't a little guy. Yeah, this that's... is a little guy. No, I said it isn't a little guy. It's not a little guy. No. But you say at 500, if it's still a fighting, that's yeah, maybe a shark. Yeah, used to fishing with this, system. So look at that. Yeah, yeah, he's fighting again. Yeah, he's 130. That's a lot. Posible afuera. Hey, traigo. ¿Se fue? Hey. Boom! Oh. Wow. Boom! Okay. Hey, it's another Argon. Who wants to get it? Okay. Boom! Boom! Arnold, it's another Arnold. Let's see that. So where is my fish, Sifuet? It's like a balloon. Oh, the hook, huh? It's not good. Okay, yeah, but... Watch this. Get it in the food now. Just
Scoot him out. Hey, Zeke. Get him out. Yeah. Oh. Oh. Hey. Wow. Fuck, man. Help me up. Boy, c'est pas ça. Wow. Yeah. Wow. Mais c'est donc mêlé. Oh, sorry, no, Captain. Wait, no. Now that's a grouper. Okay, now, yeah. Cut up there. Put that down. Okay, let's get a picture of this bad boy. My God. Whoa. This is a bad boy. Whoa. Cerveza. Tiempo para la cerveza, eh? Yeah, man. Hey, I got the jaune sur les... Hey, you want to get in there with them? That's a bad boy. This is Jeez. A fishing trip. Wow. Look, oh my God, Trev. Look at that, the teeth. Look at that, the teeth. My God. Get together. Yeah, with the cabin. Yeah. Oh. Wow. Unreal. Unreal. Okay, that's open. Yeah. One moment. Les gars sont contents parce que c'est énorme. Yeah. Here's your workout for the day. Jesus, man. What are we at? I don't know what that's. What kind of skill is this? C'est combien on le voit dessus? Je ne le vois pas, là, mais tu la regarderas après sa vidéo. Ok, on va le dire tantôt. C'est 30, 40, à peu près 40. 40 ans? 32 kilos. Non, kilos. Oh, 32 kilos! 32 kilos. Hey, Benoît! Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai pogné un méchant groupe Rooper, Yellowtail. C'est Rooper Yellowtail, the real name? Ouais. Mais, en fait, raconte. C'est quoi ça? Ah, puis là, on le ramène avec la canne automatique. Il s'est comme décroché à quelques pieds d'en haut. Là, on pensait qu'on l'avait perdu. Puis là, il a fait comme une ballonne. Pouf, je sais qu'il est revenu à sa place. Ouais. Mais le capitaine, il savait. Pendant que Benoît, il pêche? On a l'autre aussi en arrière. Lui, je pense qu'il se concentre plus sur le requin. En ce moment, on pêche pas mal la même chose. On a tous les deux la même chose au bout de notre ligne. Ah, fait que toi aussi, tu peux avoir un requin. Pour avoir un requin, un mehi-mehi ou n'importe quoi. Là. Parce que là, ça se tient souvent autour des bancs d'algues. Fait que là, il y a beaucoup d'algues et des pêches à l'aimer dans l'eau. Des choses dans l'eau comme ça. Et les requins, ils aiment ça. Tourne autour parce qu'il y a beaucoup de petits poissons, fait qu'ils viennent manger. Fait que là, on tourne autour de ça avec des morceaux de poissons dans le fond. Got it? Yeah. Yeah. But it's small, but it's fish. Yeah, that's cool. Yeah! Oh my God, look at that fish! Don't let him! Oh! 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 Awesome. Yeah, okay. Stop it, guys! Ouais, oops! Ouais! Yeah. It's good for la comida, no? Kisses! Okay. Benoît, vous aviez tombé tranquille? Ouais, ben là, tu vois, dès qu'on lâche le mouton d'herbe dans l'eau, les poissons sont plus là. Là, ça fait comme 3-4 petits que tu prends, mais c'est plus des appâts. On va les utiliser comme appâts. C'est exactement, ouais, c'est ça. Fait que. Ouais. Il y en a un sur la ligne, mais c'est un petit. Ouais. Donc... I see it. It's on there. Yeah, yeah, look. Yeah, that's a... What's going on here? C'est un petit, donc on le laisse là pour attirer un plus grand. Yeah. Oh yeah, go! Go! Nada, abajo, rápido! Pendant que Benoît pêche en arrière. Il y en a un autre en avant aussi. Environ 50 ans d'expérience.
vos eres el mejor. Muy Usted amable. Está el mejor. Gracias. Mr. Croissy. Piloto. It's autopilot. Se apaga mucho. Le motor, stop. On a changé d'endroit et on est en train de remettre ça à l'eau. Faire une autre tentative. Ah, Benoît, c'est de la pêche sportive, ça. On va aller à la plage sur l'île. On va aller faire un barbecue. Et après le barbecue, on va tenter de pêcher le barracuda. Il paraît que ça se consomme du barracuda, le ceviche, il paraît que c'est bon. Fait qu'on va aller voir ça! Du dîner, on est arrêté dans une petite baie, super tranquille, et on dîne. Qu'est-ce que c'est? Je fais une vidéo. Là, on est arrêté dans les îles de Sorel. On est... Les îles de Sorel? Je trouve que ça ressemble à ça. Mais c'est super beau, c'est toutes des petites îles. Puis là, on s'apprête à dîner tantôt. Le Diego. En train de cuisiner des brochettes. T'as-tu vu dans le barbecue? Yes, si. Les brochettes de porc et de bœuf. Poulet, pas porc. Ah, poulet. Ok. Puis c'est ça. Maintenant, on relax. Relax? On relax. Puis après ça, on va retourner à la pêche au barracuda. Ouais, essayer d'aller pêcher dans l'eau. Barracuda, si. Out on your corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while. And she will be loved. And she will be loved. Dis que je m'ennuie pas du Canada. Je m'ennuie de mes enfants, la famille, mais je m'ennuie pas du Canada. Regarde, on est sur une île en Colombie, c'est dessus. Il y a quelque chose de merveilleux au monde. Oh, para la foto, para la foto. Para la foto. Va, va, va. Oh, no, no, no. Tiene potencia. C'est comme ça que ça se termine notre journée? Yep! Hey, un petit. Fait que là, c'est ça qu'on va se faire soir. Ouais, il va sûrement en rester. Puis l'autre? L'autre? Oh, ok, si! Mais il est important? Ouais, good! Fait qu'on a beaucoup de visiteurs sur le quai qui sont venus voir nos poissons.
ailleurs, là. OK, on est chez nous ici? Oui, on est chez nous ici. Je sais pas plus que toi, moi. Ah, tu sais pas? Mais non. Regarde la belle vitraille, une sirène. OK, on va aller voir ça maintenant. Mais toutes nos valises sont rentrées. Ah ouais. Elle est barrée à la porte. La porte. Elle est barrée à la porte. Oh shit. Ça barre à la porte? Oui. Ça va bien. Puis la clé. La vidéo commence. Mélanie, elle a oublié la clé. Oh zut. Oh non, ben oui, je pensais pas qu'elle se barrait tout seul. Faut aller chercher une autre clé. Don't worry, la autre a la llave. Bon, on recommence. On ouvre la porte. Celle-là, je la donne pas. Non, mais là, on sait qu'elle confirme la porte. Parce qu'elle n'a pas d'autre, il me l'a dit. Qu'est-ce qu'on a pêché aujourd'hui? Puis ils nous ont rajouté un petit morceau de pieuvre là. With a broken smile.